Et de ce côté. Vraiment, comment ça se fait que je t'ai jamais vu? Vous vivez quelque part ici? Non, mais disons juste que, tu sais, je viens ici de temps en temps. Je vois. Ah, merci beaucoup pour votre gentillesse. Ah non, mais voyons, ça, c'est rien en fait, ça. J'ai vraiment été obligé d'être présent pendant que la nature était en train de défaire la beauté d'une très belle femme comme toi. Une seconde, s'il te plaît. Ne penses-tu pas que tu oublies quelque chose ici? Quoi? Ton numéro. Ah. Oui. Mais ton numéro. Oui, est-ce que je peux avoir ton numéro? Oui, d'accord. Oui. Ok, je t'écoute. 0. Ouais. 7-0. Ok. D'après toutes les indications, cette grève ne prendra pas fin bientôt. C'est assez lamentable de se retrouver dans ce genre de situation. Qui aurait imaginé qu'un président qui a été élu par la majorité soit aussi vite remis en question par ceux-mêmes qui l'ont mis à ce poste? Nous faisons appel aux parents et aux jeunes de se lever. C'est une question qui concerne tout le monde. Oh. Une éternité. Je vais bien. C'est comment? Je vais bien, ma chère. À part quelques petits soucis. Ah. Ma soeur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons juste prier et croire, c'est tout. Ne perds pas espoir, il faut beaucoup prier. Et à propos de Tina, je ne la vois plus à la louange. Je ne la vois pas depuis un bon bout. Je ne la vois pas. J'avais appris qu'elle a aménagé dans l'un des estates de Campo. La dernière fois que je l'ai aperçue, elle conduisait une voiture. Conduit? Bien sûr, t'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Son fiancé lui a acheté une nouvelle voiture. Tu es sérieuse? Ah, oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Une très bonne. Ah, j'ai essayé de l'appeler. Je suis allée la voir là où elle restait. Ok. Je voulais vraiment la voir avant de voyager pour la maison. D'accord. Si tu la vois, passe-lui mes salutations, surtout. N'oublie pas, dis-lui que j'attends ma part de gâteau. Toi. D'accord, prends soin de toi. D'accord, bye. Bye, prends soin de toi. Je voudrais comprendre quelque chose. Ce changement subit est seulement pour ton université? Non, maman, c'est à l'échelle nationale. Et pourquoi ton frère n'est pas encore rentré? Je ne sais pas. Peut-être ils vont bientôt rentrer. Peut-être. Maman, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont d'autres choses à faire à l'école. Combien de fois l'ai-je dit en lettres majuscules que si vous n'avez rien à faire à l'école, vous feriez mieux de rentrer à la maison? J'ai parlé avec Mike. Il a dit qu'il sera bientôt là. Et Patrick alors? Maman, tu connais Patrick? Non, il a toujours quelque chose à faire. Vraiment? Très bien, je vais l'appeler moi-même. C'est mieux. Comme il n'a aucune responsabilité, ça lui donne le droit d'être Dieu et irresponsable. Patrick, là je vais te donner 24 heures pour que tu rentres à la maison, me comprends-tu? Oh, gars, la tondeuse a besoin du lait. Et mec, il faut jeter le machin, sinon apporte-moi de lui pour qu'elle puisse travailler. Ouais, hey, ma c'est copine, ça. Laisse que je t'apporte un de mes soutiens pour que tu les laves, non? N'apporte pas seulement tes soutiens, apporte également tes caleçons que je les lave. Pardon, dis-donc, laisse ça. J'aurais vraiment voulu voir tous ces slips, toutes les versions de string qu'elle a là. Ah, Kimi, tu es fou, tu restes plus les filles ou quoi? Venez. Dacte 29, je peux le foutre là. Un, ça, je peux le foutre. Monsieur le bailleur. Allez me faire sortir toutes les affaires là, je vais fermer ma porte. Attends, bailleur.
C'est quoi ce genre de connerie là? Bayer, s'il vous plaît, non. C'est bon, tu t'adresses comme ça? Pardon, excusez-nous. Tu n'attendais pas, entrez là-bas, mettez-moi la bêtise là dehors. C'est quoi, non? Arrêtez, non. Monsieur le Bayer. Monsieur, il a commencé à mettre les choses dehors juste comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Pourquoi? Ils n'ont pas encore payé mon loyer. Monsieur, mais nous sommes en grève et nos parents ne nous ont pas envoyé de l'argent. Ils ne vont même pas envoyer chez nous jusqu'à ce que la grève finisse. Monsieur, suis-je obligé d'attendre la fin de la grève avant qu'on ne me paye mon argent? Est-ce que je suis assou? Mais on va te payer quand la grève va finir, non? Et on te l'a dit. On a dit qu'on allait te payer. Monsieur, une source sûre m'a confirmé que cette grève des assous mettra un mois. Tu m'as dit ça? Qui t'a dit ça? Monsieur le bailleur. Ton research, c'est pas vrai, c'est faux. Quel menteur. Taisez-vous là-bas. Fermez vos bouches là. Écoutez, monsieur l'enquêteur, je veux que mon loyer soit payé sur le chat. Sinon, qu'ils sortent tous de chez moi. Il n'y a pas une autre solution. Vraiment. C'est la même chose hier. C'est pas la bonne manière. Tu veux que je fasse le chat? C'est pas comme ça. Calmez-vous, c'est bon. Monsieur le bailleur, ce sont encore des étudiants, des universitaires comme vous pouvez le voir. Vous devez être rigoureux dans la façon de les traiter, parce que ce sont les leaders de demain. Merci, monsieur. Et vous devez avoir en tête que c'est sa propriété. Il a des besoins, et il a besoin de son argent pour pouvoir les assouvir. Exactement. Monsieur le bailleur. Ici. Vous devez rentrer à la maison et les laisser rester. Donnez-leur juste un mois. Un mois? Oui. Ainsi, ils pourront convaincre leurs parents de leur donner l'argent pour payer ou qu'ils arrangent leurs affaires qu'ils partent. Je ne suis pas sûr que je pourrais leur donner un tel délai. Tu es toujours méchant. Monsieur le bailleur, vous devez le faire. Vous devez leur donner jusqu'à un mois. Et vous? Oui, monsieur. Essayez de faire l'effort de payer votre loyer pendant ces un mois qui vous reste. Ou alors vous arrangez vos choses et vous partez avant que cet argent. Merci, monsieur. Je vais ajouter quelque chose. Le genre de que j'ai l'habitude d'inhaler étant chez moi, venant de là où ces vandales vivent, ce sont des fumeurs de drogue. Nous allons nous occuper de ça. C'est pas fini. On ne sait même plus qui est le vrai étudiant maintenant. Ils partent de chez eux et viennent se faire passer pour des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des ritualistes. Ne vous inquiétez pas, Nous devons les arrêter. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est assez. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous occuper de ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est bon. La mentale portée des histoires.
Attends un peu une seconde, s'il te plaît. Peux-tu au moins me dire, tu es sûr que tu ne la connais pas? Non, je ne la connais pas. Attends, tu sais qu'elle habite ici? Ici? Non. Peut-être que la personne t'a mal renseigné. Ok, gars, après, non. Je sais qui vous êtes en train de chercher. Vraiment? Oui. Elle s'appelle Jenny. Ah non, je cherche une jeune fille qui se fait appeler Tizoba. Elle est mince et de taille moyenne. Tizoba? Oui. C'est ce qu'elle vous a dit. Es-tu en train de vouloir dire qu'elle a menti? Mais bien sûr qu'elle vous a menti. Nous les filles, nous faisons ça des fois. Okay. Je m'appelle Calista. Calista? Oh oui, Calista. J'aime déstresser et faire la fête parfois. Ça me rend différente. Ok, Calista, comment pourrais-je être sûre que tu n'es pas en train de me mentir? Vous n'avez pas demandé. Si vous voulez connaître le vrai nom d'une fille, ne demandez pas. Laissez qu'on vous le dise. Intéressant, intéressant. Leçon numéro une, j'imagine. Oui. Alors, comment es-tu certaine que je suis en train de chercher cette Jenny? Je vous ai vu la déposer ici il y a de cela deux jours. Elle était toute mouillée par la pluie. C'est vrai, tu as raison. Leçon numéro deux. Ne paraissez pas si désespérée. Peu importe à quel point vous cherchez une fille. D'accord, donne-moi une seconde. Ok, maintenant que tu as gratuitement donné ces leçons, peux-tu m'aider à trouver cette dame de Jenny? Vous paraissez toujours désespéré. D'accord. Calista, c'est ça? Oui. Tu es sûr que tu es une étudiante? Bien sûr. Non, je le demande parce que pour moi, tu sonnes plutôt comme un professeur. Alors, et nous voilà, en plein dîner. Oui, et j'aime ça même dans les moindres détails. Vraiment? Oui. Bien, alors dis-moi, comment on fera pour avoir dîner? Kevin, leçon numéro 3, tu n'as pas besoin de dîner. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Parce qu'elle n'est pas ton genre. Alors, tu penses que je veux quel genre? Bien. Très sophistiqué et sexy, j'imagine. Relax, Kevin. Je vais te donner tout le plaisir que tu veux. Et Jenny? Je le redis encore, Jenny n'est pas ton genre. Je veux dire, cette fille est au niveau 3 ici au campus et elle n'est jamais sortie avec qui que ce soit. Si tu demandes mon avis, je pense même qu'elle est encore vierge.
C'est mon genre, c'est exactement le genre de femme que je veux. Elle est mon genre. Bien, je blaguais en ce qui concernait la virginité, mais la fille là n'est absolument rien. Calixte, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour trouver cette femme. S'il te plaît, aide-moi. Pas de chance, Kevin. Elle a quitté l'hôtel hier. Tu sais que la grève dure depuis la semaine passée. Alors, il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Oui, c'est vrai. Oh, ce garçon. C'est vrai. Alors, en fait, c'est toi l'étudiante ici. Alors, dis-moi, comment, combien de temps est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas trop. Ça va dépendre. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre... Marc, d'où est-ce que tu viens? Quand tu n'en reviendras pas. Non, pendant que je venais ici, je... Bébé. Bon après-midi. Non, voilà, comment vas-tu? Non, pendant que je passais, j'ai vu ton véhicule. Non, arrête d'attirer l'esprit de protéger sur toi, non. Non, charge la voiture là, non. Bébé, comme tu vas lâcher 4 voitures. Et non, les voitures, c'est mon équipement. Tu vois ce que je veux dire? Et écoute, bébé, c'est pas comme si je vais t'impressionner. Mais tu vois, c'est que mon ami n'a qu'une seule voiture. Et j'ai l'impression que ça ne le dérange pas. C'est pas cool. Non, tu n'as pas oublié quelque chose. Quoi exactement? Le commissaire. Alors comment est-ce que je peux oublier ça? C'est du business. On va voir ce monsieur à 16 heures, n'est-ce pas? Non. Le macaque m'a appelé. Pas sur mon téléphone. Il dit qu'il a changé l'heure de la rencontre. Qu'on se rencontre plutôt à 14 heures. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Non, Marc, mais il est presque 14 heures. C'est pas... Non, tu me demandes, est-ce que c'est le commissaire? Non, bébé, tu vois, toutes ces choses arrivent parce que dernièrement, j'ai voyagé pour Londres. Tu comprends? Donc, je voulais continuer pour l'Italie. Alors, lorsque je suis allé acheter mon billet, quelque chose s'est passé, j'ai manqué mon vol. Alors, j'ai voulu changer pour Amsterdam. Tu vois, classe affaires. Tu vois, je ne voyage pas en classe éco, je voyage en classe affaires. Alors, comme je disais, tu vois, Ina, ça, c'est les affaires. Ouais. Je voulais te demander, comment arrives-tu à gérer toutes ces... Jolie, mignonne fille à toi tout seul. Donne-moi ton secret. Mec. Je l'ai trouvé. Hein, Kali, je sais, non. C'est une très très jolie fille. Non, c'est pas Calista. Ah. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un. Quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de différent. Quelqu'un de différent. Ouais, je l'appelle mon ange, mais. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Tizoba. Le truc le plus amusant, c'est qu'elle m'a donné un faux numéro. Elle t'a donné un faux numéro de téléphone. C'est très amusant. Et tu l'appelles ton ange. Moi, c'est absolument rien d'appeler. Eh bien, on va attendre et on va voir, d'accord? Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré cet ange? Ton ange que tu vantes un peu trop là, dis-moi. Comment l'as-tu rencontré? Oh bien, je l'ai vu sous la pluie au niveau de l'arrêt de bus. Tu te souviens de cette grosse pluie il y a 2 jours? Mm-hmm. Elle était coincée, il pleuvait, elle était toute confuse. Tu vois, elle tremblait tout ça sous la pluie. Elle était vraiment coincée, donc j'ai garé devant elle et... Je lui ai demandé, tu vois, à un moment, j'ai commencé à douter, mais après, je me suis dit, il faut que je lui passe un coup de main, quoi. Elle tremblait vraiment sous la pluie. Tu sais à quoi je pense? Je me rends compte que durant ces années, j'ai porté toutes ces filles. Je les ai déposées comme si c'était passé. Et celles que je cherchais depuis longtemps, je les trouvais de cette façon. Tu sais, comment est-ce qu'elle voudrait avoir sa famille à elle? Mais tu... Regarde. Je pourrais ne pas être capable de reconnaître certaines choses sensées, mais crois-moi sur parole, je sais reconnaître une vraie femme. Cette fille est juste spéciale. Dis-moi maintenant. Quoi? Il se marie avec mon gars, papa. Elle est vraiment spéciale, je te Attends, dis. Tu as rencontré cette fille? Ouais. Sous la pluie? Ouais. Je vais te donner un faux numéro. Ouais. Alors c'est simple, le fait que mon ami ne veut plus te revoir. Non, tu comprends mal. Écoute, lorsqu'une femme te donne un faux nom et un faux numéro, ça ne veut pas dire qu'elle te barre. Ça veut simplement dire qu'elle ne veut plus te voir. Mais l'autre là ne me dérange même pas parce que je la chercherai. Okay. Et je ferai d'elle mon épouse. Ok. D'accord, okay. Je trouverai cette femme et je ferai d'elle mon épouse. C'est toi le prenant. Hey! C'est quoi ton problème?
Oukou Sarambara, Oukou Sarambara. Non, Max, qu'est-ce que tu vas arrêter cette affaire de jouer la ville et de trouver une bonne femme et probablement penser. T'inquiète pas. Non, pense juste à la possibilité de commencer une famille. Non, quand? Bâtir une famille. Oh mon Dieu, peux-tu aller un peu plus vite là? C'est à quelle heure tu as dit qu'on devait rencontrer ce monsieur? T'inquiète pas, on va arriver à l'heure. Bien, assure-toi de faufiler dans ces embouteillages, le mec. Regarde-moi ça. Maman! Mm-hmm. Tout ceci en 3 mois seulement. Maman, tu es CEO. Merci, chérie. Regarde ce que tu as fait. Maman, oui. Je ne pouvais même pas reconnaître ta boutique. Ouf. Tu sais ce que ton père a dit il y a de ça 2 ans? Non, non. En fait, avec la boulangerie et le magasin, je crois que toi et les enfants seriez capables d'en prendre soin quand je serai partie. Papa a vraiment dit cela? Oui, ma chère. Quelques années plus tard, mon mari est mort. Tu sais quoi? Je suis en train de me rassurer que ses efforts n'ont pas été en vain. Dieu reste Dieu. Et je vais me rassurer que tes frères et toi ne manquent vraiment de rien. Parce que je l'ai promis à mon mari. Maman, je suis très contente pour toi. Tu as réussi. Oh, regarde-toi, viens là. Je t'aime, maman. Et je suis encore plus fière de toi. Tu dois me promettre que si tu es la plus meilleure fille des filles du monde entier, je serai vraiment la maman la plus heureuse. Maman, de ce côté, tu es encore bien forte. Tu es encore pour longtemps. J'ai vu tes résultats dernièrement, non? Maman. Tu vas pouvoir faire mieux. Donc, c'est comme... Telle fille, telle mère. In my chase, it's really, really making me there. Like I can fly. It is blowing in the wind, cold like a morning. Chérie, tu vois cet homme qui est placé là-bas, là-bas. Il était en train de regarder nager. Vraiment? Oui. Je pense qu'il ne peut pas s'empêcher de nous regarder. Je le pense aussi. Vous savez quoi, les filles? Ne vous vendez pas à bas prix, d'accord? 50 000 ou rien. Combien? J'ai dit 50 000 ou rien. Waouh, tu es la meilleure. This is the end. Hold your breath and count to 10. Tu veux une partous? Et tu parles de vous deux? Oui. Mais tout n'est qu'une question d'argent. Combien? 50 000 chacune. 30. À prendre ou à laisser? Bien, je vais laisser. 35. 40. Ok. Conclu. L'argent en main.
Je veux d'abord voir tes amis. Salut les filles. Salut. Salut. Toutes les trois. Ne t'inquiète pas. Je vais regarder. Pépé. Voilà. Ce jeu m'intéresse tellement. Les gars, je devrais mettre du blé dans ce jeu. Ne fais pas d'erreur, ne fais pas d'erreur. Quoi? Les gars, tel que je vois les choses, il n'y a qu'une solution. Qui est? Il faut qu'on aille voir le bailleur. Et lui dire quoi? Lui dire ce qu'il va entendre. Qu'on va se conformer. Conformer? Comment tu veux qu'on le fasse? Pourtant, on n'a pas un sou. Personne d'entre nous n'a de l'argent. Et si j'appelle maintenant pour de l'argent, mon père va me demander d'aller l'aider à travailler. Exactement. Ma mère, ma propre mère, hein? Elle essaye de me convertir en un charpentier. Elle m'a fait travailler tous les jours dans la boutique de mon père. Et ce n'est pas drôle. C'est très frustrant. Pareil pour moi. Je ne peux pas retourner à la maison. Et je n'ai plus pratiquement un sou sur l'argent que ma mère m'a donné. Je ne peux plus y retourner. Les gars, je refuse même d'imaginer un seul instant à la maison. Sans blague, ce sera la fin de mon éducation comme ça. Un point final à tout ça. Alors, gars. Qu'allons-nous faire? Merci, c'est ce que j'essaie de dire là. À l'heure ci, hein, nous devons, vous savez, se servir de ce que nous avons pour obtenir ce que nous voulons. Et qu'avons-nous exactement? Rien? Ouf. Oui, je veux dire, qu'est-ce qu'on a? Nous vous avons, vous deux. C'est vous qui devez nous aider. Comment? Vous savez, allez voir le bailleur et emballez-les un peu, hein. Viens-tu de nous demander d'emballer le bailleur? Oui. Allez, essayez de voir comment faire avec lui. Faire quoi? Ah, ça voyait aller avec lui. Hein? Écoutez, c'est le seul moyen que nous avons pour qu'on puisse en sortir. Oh. Et là, on verra comment se débrouiller ensemble, bosser ensemble pour se faire un peu d'argent. Nous nourrir, payer le loyer et payer notre école. As-tu perdu tes sens? Pourquoi ne vas-tu pas chercher tes propres soeurs? Pourquoi elles le séduisent et couchent avec lui? N'importe quoi, idiot stupide. Est-ce que tu l'as entendu? Elle avait parfaitement raison. N'importe quoi. Merci, hein. Merci beaucoup. Je leur suggère juste de faire ça. C'est quoi? C'est quoi? Hey, n'essayez pas de me faire la morale. Je suggérais quoi de mauvais? Nous sommes au milieu d'une urgence. Nous sommes coincés. Nous sommes foirés. Et plus tôt ces filles le réaliseront, mieux ce sera pour nous. Emeka. Emeka. Quoi? Pour la première fois, je suis d'accord avec Hakim. Il a un point. Tu dis quoi, là? Emeka, sois réaliste, non? Hein? Pense-y, non? Si monsieur le maisonnier donne de l'argent à ces filles-là maintenant, leur dos ne toucheront pas le sol? Regarde la situation, hein? Ami, à moi, est-ce que tu as une autre alternative? En as-tu une?
Salut, Kevin. Comment est-ce que tu as fait pour entrer ici? Bien. Si je veux un nom, je fais mon possible pour l'avoir. Je vois. Alors, c'est évident que tu m'as poursuivi la dernière fois. Après tout, tu es la même personne qui m'a dit dans la leçon numéro 3 que tu ne devrais pas paraître désespéré. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Kevin, nous brisons tous des règles de temps en temps. Vraiment? Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je te veux. Tu me veux? Oui. Tu me veux vraiment? Je m'offre totalement à toi, Kevin. Je veux ton amie. Laquelle? Jenny. Jenny n'est pas mon amie. Oh, et de l'autre côté, mon amie te veut, toi? Hein? Ton ami n'est pas mon genre. Ah. Arrête. Tu m'entends? Arrête ça. Bien, tu sais quoi? Rhabille-toi. Tiens ceci. D'accord. Porte ton temps. Peut-être ton transport, n'importe quoi. Mais prends ceci. Et laisse-moi... Aide-moi juste à trouver Jenny. D'accord? Je te le revaudrai. Calista, Calista, n'est-il pas temps que tu me dises ce qui te préoccupe ces temps-ci? Bravo. D'accord. On me fait passer pour la mauvaise. La mauvaise. Rita. Peux-tu t'imaginer même dans tes rêves les plus fous que moi, Kali, je me suis offerte à un homme et il m'a larguée. Moi, Calista, Calista Commotion, j'ai offert mon corps à un homme et il m'a repoussée. J'étais placée là devant lui dans toute ma splendeur, avec mes seins nus, à le séduire et l'idiot m'a repoussée. Il t'a repoussé? Ah, ah, il t'a repoussé et pourquoi? Bien. Il m'a regardé, a souri. Et avec tout le calme possible, m'a dit qu'il ne ressent aucune attirance, d'aucune sorte, à mon égard. Quoi? Ah,
Tina, ça, ce n'est même pas ce qui m'a rendu folle de rage. Mais le fait qu'il soit plutôt attiré pour un petit moins que rien. Quelqu'un que tu connais? Quelqu'un que toi et moi connaissons. Et qui ça peut être? Jenny. Jenny? Oui. La recrue de troisième année en business, Jenny. Tu veux dire Jenny, la vieille mariée? Oui, yo. Ah, wow. Eh bien, quand moi je reflète l'irresponsabilité et l'échec, elle reflète fièrement la responsabilité et le calme. Mais ce que cet homme semble oublier, c'est que si les prostituées sont dans ce business, c'est que les clients s'arrêtent et les saluent. Ils veulent des filles calmes et responsables. Mais ils oublient que c'est eux qui nous ont rendus irresponsables et légères. Bien. Il y a une toute petite ligne entre un pécheur et un saint. Il n'est pas permis aux femmes de porter les pantalons en société. Pat, je ne comprends pas pourquoi elle interdit aux femmes de mettre les pantalons. D'accord, montre-moi là où c'est écrit dans la Bible que les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Écoute, le dirigeant des jeunes a suggéré cette affaire et moi je l'ai ouvertement combattu. Tu sais pourquoi? Parce que cette affaire de mettre les pantalons ou de ne pas les mettre fait complètement partie de la religion. Et la chrétienté, c'est pas la religion. Mike, qu'est-ce que cela signifie? Le mariage, le mariage. Jenny, c'est en l'honneur de quoi ce jubilé? Bien, j'ai le plaisir de vous annoncer, les gars, que mon ami m'a honoré en me demandant d'être sa dame de compagnie dans son mariage. Et c'est qui cet ami? Ma meilleure amie de l'école. Nous sommes dans le même département. Ok, où est-ce que ce mariage aura lieu? À Lagos. Lagos. Jenny, toi et moi savons très bien que maman ne pourra jamais te laisser partir d'ici jusqu'à Lagos, juste pour un mariage. Pourquoi? Mais c'est vrai, Jenny. Maman ne te laissera pas partir. Et si elle te donne la permission, je ne te laisserai pas partir. Depuis quand? Depuis quand tu as pris la position de papa? Jenny, parce que je suis ton grand frère. Et même si maman se décide de te laisser partir à Lagos, elle demandera d'abord mon avis. Oh mon Dieu! Wow! Waouh, je dois dire que tu es toute. T'es toute jolie, Calix, faut le dire. Mais, dommage. Oui, je ne suis pas Jenny, n'est-ce pas? Alors, as-tu été capable d'établir un contact avec Jenny? Son téléphone était éteint. Ok, qu'en est-il si on allait dans son village? Je ne connais pas son village. Tu connais son village? Tu m'as dit que tu connaissais son village, n'est-ce pas? J'avais tort. J'avais tort? Comment? Écoute, hein, je vais mieux te l'expliquer quand nous serons autour d'une table dans un très bon restaurant. Ok, sans problème. As-tu perdu tes sens, Emeka? Non, pas du tout. Alors tu aimerais que je couche avec ce vieillard? Eh bien, ce vieillard a notre futur entre ses mains. Emeka, es-tu dit que tu m'aimes? C'est vrai. Oui, mais nous sommes paumés. Si nous ne l'étions pas, je n'aurais jamais accepté de te voir dans les bras d'un autre homme. Ne parlons même pas de ce vieillard. Mon Dieu! Écoute, Linda. Allez, tu sais que si je ne vais pas chercher de l'argent, je ne vais pas revenir ici.
pareil pour moi. Tu vois, j'ai envie de passer plus de temps avec toi. Il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Tu sais, être au campus, c'est le seul moyen que nous avons pour être ensemble. Je sais. Allez, je t'en prie, je allez. Sais. Je... Allez, Linda. Je sais. Linda. Linda. Donc, les gars, j'ai finalement convaincu Linda, qui à son tour a convaincu Syria. Pour le moment. Super, bien. Mais elle est d'accord à une condition. Elles amèneront Titi. Ça, c'est pas un problème, je le lui ai déjà dit. D'accord. Oui. C'est pas facile, hein. Ma pote, pourquoi tu fais ça? Tu veux mailler ça tout seul? Non, oh, ma pote. Il veut boire ce jus de sel. Eh, ça, c'est dans les ratios. Non. C'est quoi, non? Toi seul ne va pas marcher. Ah ouais, pour toi. Laisse ça, non. Ah, pourquoi tu l'as passé par terre? Trop chiche, trop dur. Dis donc, Flouk. Hey, mec. Regarde. Vraiment, hein. Jolie, jolie maman. Tu sais, ma chérie, tu fais vraiment la fierté de ta mère. Oh. Juste parce que... Ouf. Merci, maman. Maman, tu sais que tu es mon inspiration. J'apprends beaucoup de choses. J'ai appris, je suis la meilleure maman dans le monde entier. Tu es vraiment une grande bénédiction pour... Merci. Maman? Oui, chérie. S'il te plaît, est-ce que je peux te demander une faveur? Vas-y. S'il te plaît, est-ce que je peux aller au mariage de mon amie? Elle a fait de moi sa dame de compagnie. Waouh! C'est vraiment merveilleux de sa part. Ah, oui, oui. Ma? Elle ne t'a pas encore dit le plus important. Le plus important? Oui. Que veux-tu dire par le plus important? Maman, mais le mariage aura lieu à Lagos. Oui. Jennifer. Oui, maman. Comment peux-tu penser une telle chose? Ah, maman, je suis une grande fille, je peux prendre soin de moi. Qui te l'a dit? Ok, maman, même si mon mariage a lieu au Venezuela ou en Argentine, au Japon, ailleurs dans le monde, Tina sera là. Ça, c'est Tina et Jenny, non? Écoutez, restant dehors de ça, maman comprend de quoi je suis en train de parler. Maman ne comprend rien ici. Ok, maman, tu te souviens de la dernière fois que tu devais aller à Abuja? Je t'ai supplié ici, mais tu as totalement refusé. Parce que ton ami Christian a vraiment un caractère honteux. Mon ami a un vilain caractère. Oui. Ok, est-ce parce que mon ami est le président du club des étudiants? Ah, maman. Tous ses amis l'aident à faire ses devoirs chaque jour. Regarde-moi Jenny, et moi. Jenny, tu es en train de mentir et tu le sais bien. Maman, écoute, mon amie et moi, chaque fois nous partons dans la même réunion ensemble. Nous jeûnons et nous prions ensemble. Elle est chrétienne, maman. D'accord, maman. Quand je voulais aller à Ori, tu as refusé. S'il vous plaît, pouvez-vous me permettre de réfléchir un moment? Oui. Non, ma, ça c'est pas juste. C'est pas juste. Pardon? Que viens-tu de dire? C'est pas juste. Non. Lui ai-je permis d'aller à Lagos? Est-ce qu'elle m'a permis d'aller à Lagos? Mais ma, puisque tu ne m'as même pas autorisé à aller à Abuja, pourquoi essaies-tu d'envisager qu'elle parte à Lagos? Ok, je vais aller dans ma chambre et me libérer de vous tous. Maman, tu veux quelque chose à manger? Elle n'a besoin de rien. Je peux te faire une salade. Une salade, maman. Mike, Patrick. Moi, je ne comprends pas la fesse. Je comprends pas, maman. Juste parce que tu n'es pas là à Abuja et toi, Wari, ça ne signifie pas que je dois pas aller au mariage à Lagos. En fait, je suis la dame d'honneur dans ce mariage. Je dois aller là-bas pour soutenir mon ami, c'est vraiment important. Jenny, tu ne sortiras même pas d'ici. Tu n'iras pas à Lagos. Voici mon point de vue. C'est à maman que revient la décision et non à vous. Permettez-lui de prendre sa décision et arrêtez de l'influencer. C'est quoi ça? Hein? Écoute, Pat, moi je comprends plus maman. Je ne comprends pas, tu vois. Je ne comprends pas pourquoi maman envisage même que Jenny aille à Lagos. Elle est la fille d'honneur. Ça veut dire quoi, elle est la fille d'honneur? Ah. Même toi, tu la soutiens. Laisse-moi regarder ma télé, s'il te plaît. J'ai appris que le conteneur arrivait la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, non. Non. J'appelle par rapport à ça, oui. Écoute, ok, voici ce qu'on va faire.
Une fois que tu as payé l'argent, hein, rassure-toi de montrer le reçu à ma vendeuse. C'est très important. Tu me connais, non? Je suis un homme d'affaires, je ne me présente pas avec mon agent. Mon agent est très important pour moi. Hein, quoi de non? Tu sais que... Ok, prends soin de toi. excuse-moi, je te fais chance de faire des affaires. Tu vois, je suis un homme d'affaires. Dans, c'est cool, en tout cas. Kevin. Hmm? Dis-moi, qu'en as-tu de cette magnifique allumeuse? Cette magnifique allumeuse. C'est celle avec que je t'ai vu l'autre jour. Oh, Marc. Tu la veux? Hein? Tu la veux? Si je la veux. Hey, ne rigole pas. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit? Hein? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Allô, Calista, comment tu vas? Je suis cool, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais présentement? Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous rejoindre au restaurant habituel? Oui, nous, avec mon pote toujours, mon ami, ouais. Ok, d'accord, d'accord. Bien sûr, sinon je n'aurais pas essayé à t'attendre. Ouais, d'accord, à plus tard, à plus tard. Ouais. Ok, cool, à tout à l'heure alors. Ça, je l'ai fait pour toi. Hein? Ça, je l'ai fait pour toi. Écoute, je paierai n'importe quoi. Ok. Pour avoir cette fille dans mon lit. Fais-moi confiance. Tu es sérieux? Je te l'ai dit. Ok, je dois donc t'avertir sur quelque chose, ok? Cette fille-là n'est pas une fille moins chère, je te préviens. Tu n'es qu'aimé. Je vais faire d'elle ma priorité. Écoute, il y a cette meuf que j'ai rencontrée au Japon. Tchou! Une vraie bombe! Bien! Tu connais la japonaise, non? Comment le pot brille souvent? Anadja? Non, j'ai vu ça. Et quoi? Qu'est-ce que ce fleuve encore dit là? Il m'a mis un coup. Ça m'a amené, ben, c'est 100 000. Oh non, mais voyons. L'argent n'est rien, oh. Si tu compétis ça. De la qualité, Naïtia. Hein? Ce mariage à Lagos, tu vas le manquer. Maman, si tu ne veux pas que j'aille, je vais appeler Tina et je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'elle comprendra. Comme si je ne connaissais pas ma fille. Quand elle parle comme ça. Maman, tu sais, elle peut attendre. Je vais l'appeler et lui expliquer. Tu veux vraiment y aller? Oui, maman. J'ai vraiment envie de partir. C'est mon ami. On a l'habitude de fréquenter les mêmes réunions à l'école. Et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'étais là-bas récemment pour prendre les nouvelles du mariage. Et... je lui ai promis que je serai là. Elle a changé de site. Donc, je veux vraiment y aller. Vraiment, Lagos. Lagos, c'est une grande ville. Pourquoi va-t-elle se marier à Lagos? Ah, ok. Son futur mari vit à Lagos. Et à cause de la greffe, ils ont décidé de se marier avant qu'il ne retourne en Allemagne. Dont ils veulent profiter de cette grève. Oui. Très bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Mais à une condition. Que tu te souviennes la fille de qui tu es. Maman, c'est juste un mariage, non. C'est juste un mariage. 2 jours, je vais rentrer sérieuse. 2 jours? Oui. Tu arrives au mariage, quand ça finit, tu reviens. Oui. 2 jours. Promis, promis. Ok. Promis, juré. Promis. Très bien. Oui. Sans problème.
Ok. Merci, maman. Merci, maman. Bien, sans problème. Tu sais quoi, apporte-moi un truc à boire, d'accord? D'accord. Ton jus favori ou tu veux un autre? Ananas frais. D'accord. Oh, Marc, parle-moi un peu plus de toi. Marc, parle-moi à propos de toi. Allons, arrête ça. Mais j'ai cru qu'on n'avait pas d'affaires à régler. D'accord, viens. Pour couper court, tu vois. Tu vois, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires accompli. Je fournis de la marchandise, tu vois. Écoute, c'est un entrepreneur. Hmm? Je passe beaucoup de contrats avec de grandes personnes. Comme Bim encore, en Ambracity. J'ai passé 6 mois à passer juste de gros contrats. Tu vois, je rencontre autant ces grands du gouvernement. Tu comprends? Le gouverneur de l'état d'Anambra, c'est mon ami. Je reste au moins le rencontrer dans quelques minutes. Vraiment? Ouais. Waouh! Ça signifie que tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Bébé, pardon. Tu dois être très riche. Bien sûr, c'est dire au fait que tu dises que j'ai de l'argent. Mais dès que j'irai à Zenith Bank, tout ça va redescendre. Mais bébé, tu m'as pas dit que tu travailles avec CNN, non? Parce qu'apparemment, tu es là pour m'aider, bébé. C'est pas vraiment ce que j'attendais de toi. Non, pas du tout. Ok, en tout cas, oublions ce côté-là. Bébé, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Depuis ce jour que je t'ai vu, ma tête sortit comme les pop-corn. Je suis amoureux de toi. Je voudrais dépenser mon argent sur toi. Vraiment? Ouais. Vraiment, bébé. Tu sais de quoi je veux parler, bébé, n'est-ce pas? Hein? Marc. Hein? J'ai pas pressé. Hey! Oh bien. Bébé, redis-la encore. Oh bien. Redis-la encore, bébé. Je t'apprécie. Ah! Je n'aurai jamais rien à faire avec toi. Hein? Tu m'as entendu? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, tiens, te plaisanter. Là, c'est comme dans le jeu qui veut devenir millionnaire. Je te donnerai une réponse. Je suis sérieuse. Mais tu sais quoi? Je peux facilement te donner l'une de mes amies. Elle sera à ta disposition. Tu sais? Écoute, tu n'auras à t'inquiéter de rien, d'accord? 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 Tu sais quoi? Laisse-moi prendre le téléphone comme ça, tu pourras voir la photo. Bébé, attends, avant que tu me montres tes photos. Connais-tu l'importance des gens que j'ai fait attendre? Juste parce que je voulais te voir. Je t'ai dit que le gouverneur de l'état d'Anambra voulait me voir. Et là, tu me racontes? Marc, tu veux voir les photos des filles, oui ou non? Elles sont nombreuses. Tu auras l'embarras de choix. D'accord? Relax. Je suis là en train de vouloir te donner un bon truc. Un très bon truc, tu vois. Laisse-moi aller chercher mon téléphone. Marc. Je t'ai vu me regarder. Hein? Arrête de regarder. Parce que ces fesses que tu vois là peuvent te vider tous tes comptes bancaires. Hey. 08 0 579 68 458. Ça, c'est le numéro de ma femme. Comment tu fais pour la voir? Cool. Quoi? Ça veut dire quoi, cool? Dites-moi, comment avez-vous eu le numéro de ma femme? Ah, Bayer, tu calmes. Non. Comment ne devrait pas être la question ici? Et si j'étais toi, j'aurais plutôt demandé pourquoi. Ouais. Et pendant qu'on y est, Meka, pourquoi avons-nous obtenu le numéro de téléphone de sa femme? Écoutez, c'est quoi cette histoire? Comment avez-vous eu le numéro de ma femme? Bayer. Monsieur le bailleur, écoute, c'est pas de notre faute que Hans soit en grève. Et c'est pas aussi de notre faute que nos parents refusent de nous envoyer l'argent jusqu'à ce que la grève soit terminée. Écoutez, certains sont certainement fous ici. En quoi est-ce que ça me concerne? Bien, de un, tu es notre super bailleur. De deux, tu as couché avec 3 filles. C'est 3 derniers jours. Écoute, tu dois être stupide. Tu dois être malade. Je te ferai sortir de mon bureau Monsieur tout de suite. Monsieur le bailleur, troisièmement.
Ta femme, oui, ta charmante épouse, recevra un appel par l'une de ses trois filles pour lui expliquer à quel point tu es performant au lit. Je suis content de toi. Ah, mais tu sais, Emeka et moi sommes de très bons citoyens. Mais bien sûr. Nous sommes aussi des étudiants exemplaires. Oh, de bons chrétiens, alléluia, merci Seigneur Jésus. Donc, nous ne laisserons pas que ces filles passent ces appels. Détends-toi juste. Ça, ce sera si tu es assez raisonnable, tu sais, nous laisser tranquilles. Tu sais, dès que ces assous mettent fin à leur grève et que l'école finit également, on te paie ton argent. On te payera tout ce qu'on te devra. C'est tout. Bien. Pour le moment, oui. Pour l'instant, oui. Considérez cela fait. Ça, c'est mon bailleur. J'aime cette phrase. Considérez cela fait. Bien, tu peux également nous rafraîchir. Tu as quoi dans ton frigo? Du vin français. Jennifer. Oui, maman. Je dois me rassurer que tout va bien avant que tu n'ailles à Lagos demain. Mais qu'elle n'y aille donc pas. Ma. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? C'est une histoire de principe. C'est-à-dire, si nous on ne peut pas faire de longs voyages, alors Jenny ne devrait pas. Jenny. Oui, je suis à l'extérieur. Bien, tu as trouvé la maison, n'est-ce pas? Devant portail noir. 133. D'accord, il faut juste entrer. Hein. Je t'attends en bas. Ok, d'accord. Parlons de ça. Est-ce ton look du mariage, tes cheveux, tous ces bijoux? Et tu as le même tatouage. Je pense que je vais cacher mes vêtements. Tu es si différente. Non, allez, ce sont les affaires de mon mari. Je peux juste mettre ça et mettre sa tête, tu sais. Oh, c'est ce jardin? D'accord, ça c'est ta chambre. D'accord. Ça, c'est ta chambre. Voilà. Alors, prépare-toi à prendre ton bain. Changer pendant que je prépare le dîner pour nous. Oh, tu m'as manqué. Merci. Je suis très heureuse. Je suis plus heureuse que toi. Ok, laisse-moi aller te préparer un truc, bon. Tu sais. Ah, Seigneur, merci. C'est la robe? Oh mon Dieu! Elle est magnifique! Oh!
Tina, tu aimes le design. Regarde là. Elle est si ravissante. Jenny, bébé. Rita. Oui. Tina, qu'est-ce que vous faites ici, les filles? Viens, viens, viens d'abord. Viens te joindre à nous. Non, 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 non. Non, s'il vous plaît, je ne vois pas d'accord. Jenny, la vierge Marie. Tu ne changeras jamais. Vous ne changez pas. Tu es toujours comme ça. Pardon, je suis venue pour le mariage. Arrêtez. Très bien. Viens, 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 viens. Penses-tu que, tu penses-tu que ça va m'aller? Je ne peux plus attendre de te voir avec cette robe. Dans ma robe de mariée. Hé, hé, hé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Calista? Salut, Jenny. Tu es aussi là? Bien, exactement comme toi. Je suis là pour le mariage. Oui, Calista est vraiment impliquée. C'est juste un amour. Vous ne voulez pas me présenter. Je le ferai moi-même. Je suis bête. Je te connais. Tu n'es pas la fille qui a été victime d'une overdose, qui est tombée en classe et qu'on a dû amener à l'hôpital? Jenny, l'erreur est humaine. Ah, bien, excusez-moi. Jenny! Tina! Oui. Que fait Calista ici? Le mariage, je l'ai invité. Avec toute sa bande? Sérieux, je n'arrive pas à y croire, je ne sais même plus qui tu es. Jenny. Alors, quand est-ce que ton mari revient à la maison? À la maison? Oui, à la maison du travail. Il va rentrer jeudi, n'est-ce pas? Oui, 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 toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ils sont dans 4 heures. Oui. Tina, ton mariage est dans moins de 24 heures. Et les filles d'honneur ne sont pas encore là pour s'apprêter. Écoute, tu te ferais mieux de t'intéresser au meilleur. Il est très beau, je te le promets. Très beau? Oui, et il pourra être l'un de tes choix un de ces jours. Ok. Oui. Alors, quand est-ce que je verrai ton fiancé? Le moment venu. Et mon habillement, tu m'as demandé de venir, est-ce que ça va me suffire? Écoute, ton habillement, je m'en occupe. Je connais ta pointure en bas, tes reins, tes seins, tout. Je connais ta taille. Demain, tes habits seront prêts et tu pourras les essayer. Tu m'as demandé de venir ici, prendre mes mesures, Tina. Je sais, écoute. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Jenny? Tu me mets mal à l'aise, d'accord? N'es-tu pas heureuse d'être là? Parle-moi, non? Je le suis, c'est juste que je ne sais pas comment mentir à ma mère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Non, 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 Jenny, tu ne lui as pas menti. Écoute, tu es innocente. J'ai menti. Je t'ai menti et tu l'as transmis à ta mère innocemment. Tu es supposée me blâmer. Blâme-moi. J'assume. D'accord, Jenny? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste dis-le. Allons juste en bas. Allons juste en bas. Parler avec les filles. Pourquoi? Entre les filles, on bavarde, ta-la-la-la-la, tu sais. Tina, je ne te comprends plus. Je suis la même pleine du fait que tu sois amie avec Calista et son gang. Et toi, tu me demandes d'aller traîner avec elle. Qui es-tu? Que se passe-t-il? S'il te plaît, allez, calme-toi, non? S'il te plaît, tu es une personne très importante pour moi. Oublie un peu Calista. Mais tu sais que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Écoute, je n'arrive plus à faire la différence entre toi et Calista. Regarde-toi, regarde ta tête. Je pensais que tu étais prête pour le mariage, mais tu ne l'es pas. Qui es-tu? Que fais-tu? Allez, comme je l'ai dit avant, tu es une personne très importante pour moi. Donne-leur quelque temps, elles vont partir. Oublie-les, s'il te plaît. C'est mon jour, non? Ne le ruine pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je te supplie, s'il te plaît. Jenny? Jenny? Je fais ça à cause de toi, Tina. Je sais, c'est pourquoi je t'aime. Viens là. Merci. Merci. Oh, attends, il faut qu'on fasse ça.
Ça a l'air vraiment très intéressant. Mmh. Attendez là-bas. Regardons. Il faut encore regarder. Mais à quoi est due toute cette excitation? Que se passe-t-il? Essaye de deviner. Calista, tu sais que j'ai horreur de deviner. J'ai une surprise pour toi. Ok, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les robes. Non, ces robes arrivent demain. Je t'ai dit que ces robes arrivaient demain, n'est-ce pas? Bien. J'ai pensé que ça ne valait pas la peine d'attendre demain. Mm-hmm. Donc je suis allée voir la couturière. Non. Je lui ai mis la pression. Tu es en train de me tromper. Que les robes soient prêtes. Oh mon Dieu! Toi, oh Seigneur, tu vas me tuer. Je t'ai dit, Jenny, Calista est un amour. C'est le moins ce que je puisse faire, chérie. Merci. Il n'y a pas de quoi. Calista, je ne savais pas que tu étais sympa. J'ai également mes bons côtés. Elle a fait. Ok, voilà, voilà. Que Dieu nous fasse ça. Celle-ci a Jenny. Très jolie. Laisse-moi les gars relever si je veux. Je porte comme allez, t'es ma bouche. Okay. Allez, t'es ma bouche. Je t'appuie après par le pied. Allez, t'es ma bouche. Vas-y, nous se bouge. Oui. Très bien. Voilà. Bien, voilà. Tu sais. Waouh. Je savais que tu vas aimer. Ou alors. Je suis très jolie. Ok, laisse-moi t'aider à faire. Où est mon chapeau? Ok, son chapeau à elle. Oh, voilà, c'est celle-ci. Très beau, hein? J'ai dû le dire. Vraiment jolie. Oh. Très beau. Oui. Très beau. Wow, tu es très belle. Je pense que c'est bien, très beau. J'aime la tienne, Victoire. Les filles, elles vont cuisiner le dauphin à tout nous. Oh, tu es sérieuse? Elle s'en va, les la petite maman a toi, of you and I will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my yeah. God, so walking in the front. Made up in the worst time anyway. Maybe I'm the ambitious with the pain. Give me all attention, so delay. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, the whole world's a man, but I can't give up. Tina, c'est quoi toute cette bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous manigancez les filles? D'ailleurs, ce ne sont pas mes affaires. Quelqu'un est allé fouiller mon sac et tout ce que je veux, c'est de partir d'ici. Je ne peux partir, Jenny. Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as entendu? Je ne vas nulle part. Les filles, vous blaguez, hein? Écoutez, je ne suis au courant de rien. Peu importe tout ce que vous êtes en train de manigancer, cela vous concerne. J'ai laissé mon téléphone attaché et je voudrais que tu me le remettes avant que je m'en aille. Là! Juste ferme là! Tu ne comprends toujours pas, Jenny. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Juste peut-être
Mon Dieu, je te déteste. Je te déteste tellement. Enferme-la. Oui. Tu n'iras nulle part. Tu me dégoûtes. Non, Tina. Tina, ça c'est un jeu. Tina, tu es ma meilleure amie. Hein? Tina, c'est pas supposé être ça. Ce n'est pas supposé. Je suis venue pour ton mariage, souviens-toi. Tu connais, maman a l'habitude de venir chez toi. Tina, Tina s'il te plaît, tu sais, tu es mon amie, Tina. Tu es très importante pour moi, Tina, s'il te plaît. Je suis désolée, Tina. Non, tu ne dois pas le faire, ça me démonte. Calista, ne penses-tu pas que tu m'en demandes assez? Je pense que c'est de trop. Nous en avons déjà parlé. Pour accomplir quelque chose dans la vie, il faut être fort. Laisse-moi gérer cette peine. Yeah.
Je devine que ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? C'est ma Jenny. Quel est ton plan de jeu, Tina? Plan de jeu? C'est quoi mon plan de jeu? Il n'y a pas de plan de jeu, sauf si tu essaies d'introduire un. Où sommes-nous? Ah, l'autre là ne doit pas te déranger. Comme ça, les filles, vous êtes des prostituées. Hey, arrête ça. Il faut arrêter. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? La nuit dernière. La nuit dernière. Qu'est-ce qui arrive la nuit dernière? Oh, l'autre là. Moi et mes filles prenions plaisir. Boire, fumer et coucher avec des hommes, vous preniez plaisir? Bien, oui. Tina. Tina. Rappelle-toi qu'on était dans le même département à l'église. On avait l'habitude de prier et de jeûner ensemble à l'église. On était si proches dans le jeûne. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et soudainement, tu as disparu pendant tout un semestre. Tu t'es offert un appartement privé et tu as acheté une nouvelle voiture. Pourquoi tu as permis autant de t'utiliser comme ça? Pourquoi tu as... Tais-toi! Tais-toi! Comment oses-tu te tenir là et me juger? Comment oses-tu, Jenny? Comment oses-tu? Écoute, toi et moi étions dans deux mondes différents. Tu as ta mère, elle prend soin de toi. Tes médicaments, ta nutrition, tout. Qui ai-je, moi? Je n'ai personne. Tout ce qui concerne ma fille, je dois le faire de moi-même. Et le même Dieu dont tu es en train de parler, où est-il? Où est-il? Que Dieu te pardonne, Tina. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. S'il te plaît, je veux mon téléphone, mon argent, mon ATM. J'ai besoin d'appeler ma mère maintenant et je dois partir d'ici maintenant. Qui a dit cela, Jenny? Calista. Calista. Dès l'instant que je t'ai vu, j'ai su que tu étais le mal. Regarde-toi. Tu es l'incarnation parfaite du mal. Qu'est-ce que tu as fait, mon ami? Qu'est-ce que tu lui as fait? Si jamais, au grand jamais, j'entends encore une chose pareille venant de toi, Jenny, je te jure, je vais te faire regretter le jour où tu es née. Pleure. Pleure, Jenny, pleure. Ça me rend tellement heureuse de te voir pleurer. Jenny, je suis vraiment désolée. Je jure, je n'ai jamais su qu'elle lèvera la main sur toi. Désolée, je ne le savais pas. Qu'est-ce que je te fais? Que tu me fasses ceci? T'as-tu fait du mal? T'as-tu fait du mal quelque part? Linda? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne me dis pas ça, ne! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les filles, non? Hein? Est-ce que je me plains à propos de tout ça? Réfléchis à ça. Réfléchir à quoi, Emeka? Hein? Comment vas-tu nous appeler? Pute? Prostituée? Oh, Linda. Personne ne vous craint de garce ou de prostituée ici. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de survivre, ma chère. Survivre en mettant un homme? Bien sûr, Linda. Entre mes deux jambes? Car, nous sommes tous adultes ici. Nous sommes dans cette situation ensemble. Vous allez m'écouter attentivement. Vous ferez vraiment mieux de passer à autre chose. Faites n'importe quoi. Braquez. Quoi? Tu as dit voler? Oh oui. Tu m'as écouté. Parce que je ne me laisserai plus utiliser si vous ne faites pas quelque chose par rapport à ça. Et si tu penses que je mens, pourquoi ne demandes-tu pas à Célia et à Christine? Pourquoi ne pas leur demander? Alors Marc, et qu'est-ce que tu fais à Lagos? Les affaires. Je suis venu pour les affaires. Il y a un client qui me doit de l'argent depuis 2 mois.
Chaque fois que j'appelle ce macaque au téléphone, il ne décroche pas mes appels. L'un de mes amis à Lagos m'a appelé. Pour me dire que le gars à Lagos. Boum! Le gars sortit de chez lui. Boum! Il a fermé sa porte. Boum! Il a sorti. Boum! Boum! Bébé, le reste, c'est que de l'histoire. Marc, tu es tellement amusant. Hein? Qu'est-ce que tu fais à Lagos? C'est ça que tu m'as manqué. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ton numéro pour que je puisse entendre ta voix. Pour ça, je ne savais pas. Donc, tu es à Lagos. Alors, que fais-tu à Lagos? Je suis venue, tu sais, faire une ou deux choses. Et tu sais, moi également, j'ai le business. Quelques petits trucs. Je suis également une femme d'affaires, tu sais. Des affaires? Alors, dis-moi, quel genre d'affaires tu es venue faire? Ce genre de business. Oui. Pourquoi ne fais-tu pas que ton genre d'affaires soit mon genre d'affaires? Oh, vraiment? Écoute, tu m'as beaucoup manqué. C'est vrai. Oh, ouais. Tu sais que quand je suis arrivé à Oka, tu me jonglais seulement comme ça. Mais ici, c'est Lagos. On appelle ça Las Kibi. Et je suis prêt à te garder ici. Hein? Alors, dis-moi, as-tu changé ta vie? Tina, ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je dit que tu as fait quelque chose? Pourquoi m'as-tu invité à un mariage fictif pour abuser de moi physiquement? Écoute Jenny, je sais que ce qu'a fait Calista était de trop. De gifler n'aurait jamais dû faire ça, je sais. Tu peux bien l'arrêter. Je suis désolée. Tes excuses ne changeront rien. Je suis retenue ici contre ma volonté. Pourquoi n'aviez-vous pas fait ça quelque d'autre? C'est le problème avec toi, Jenny. Tu aimes trop juger. Toute autre personne est imparfaite. Tu es la seule personne parfaite. C'est ce que tu penses de moi? Je suis vraiment désolée de ce que tu ressens, mon égard. S'il te plaît, je veux juste partir. Donne-moi mon téléphone et mon ATM et laisse-moi partir, s'il te plaît. Je vais... Calista ne nous a pas donné l'ordre de te les remettre. Je suis retenue, prisonnière. Et pourquoi je suis enfermée? Écoute, Jenny, je jure sur Dieu. Je n'ai pas planifié, je ne savais pas que tout ça allait arriver. Je ne savais pas que ça va aller si loin. Ma part, c'était de me rassurer que tu viennes pour le mariage. Calista a tout planifié. Elle est la seule responsable, la responsable de tout ça. Je ne savais pas qu'elle n'allait pas te laisser partir. J'ai une conscience. Tina, s'il te plaît. Tina, s'il te plaît. Laisse-moi partir d'ici, s'il te plaît. Laisse-moi partir d'ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Je le ferai, mais je t'en prie, toi et moi devions faire très attention. Calista est extrêmement dangereuse. J'ai peur d'elle. J'ai vraiment peur d'elle. Maintenant, tu dois agir. Tu dois prétendre. Tu dois lui faire croire que tu te laisses aller. Et là, je t'aiderai à planifier ta fuite. Là maintenant, tu es mal à point. Tu as besoin de te rafraîchir. Va à la cuisine et te donnons quelque chose à manger, quelque chose à boire. Tout ce que tu voudras. Tu sais, fais-lui croire que tu as changé. Je ne veux pas manger. Je veux juste m'en aller. Ok, choisis n'importe quoi, d'accord? Tu me promets le matin que j'irai à la maison. Je promets que je vais planifier ta fuite. Marc, tu vas t'amuser, n'est-ce pas? Aïe, tchaï, tchaï, tchaï. Pourquoi me poses-tu encore des questions dont tu connais déjà les réponses? Hein? Je me rappelle t'avoir dit que j'allais te donner l'une de mes amies. Aïe, oh bien. Ah, Calista, tu ne fais que me faire des promesses. Je ne veux pas tes amis. C'est toi que je veux. Tu as un amour pour moi, hein? Hein? J'ai une fille pour toi. Une fille vraiment très spéciale. Oui. Ok.
Si tu demandes mon avis, je vais dire qu'elle est extraordinaire. Mmh. D'accord. Vraiment? Elle est vierge. Attends, laisse Marie. Bébé. Il n'y a plus de filles vierges dans ce monde. Toutes les vierges sont finies. Tu penses que j'ai plaisant, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Bébé, je n'ai pas dit que tu blaguais, mais... Comment peux-tu dire qu'elle est vierge? Donne-moi 30 000 naira maintenant. Et dans une heure, je te donne une vierge. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Bébé. Bébé. Si cette fille est vraiment vierge, je jure au nom de Dieu que moi et Makachu, que je te donne 100 000 naira tout de suite. 100 000? Oui, comme je te dis là, 100 000. Très bien, d'accord. Allô, Calista? Salut, mon chéri. Calista, ça fait des jours que je t'appelle, mais tu ne prends pas mes appels. Y a-t-il un problème? Kevin, j'étais très occupée, c'est tout. Tu étais occupée? D'accord, une nouvelle de Jenny? Jenny? Je n'ai pas de ces nouvelles. Tu n'as aucune nouvelle de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être tu as besoin de prier, comme ça ils vont arrêter la grève et elle va revenir à l'école. De quoi est-ce que tu parles? Tu penses que je n'ai pas fait ça? Prie encore plus. Kevin, je suis à Lagos. Tu es à Lagos? Qu'est-ce que tu fais à Lagos? Présentement, je suis en train de faire quelque chose de très important. Je te rappelle plus tard. Écoute. Calista? Calista? Allô? Ton ami? Bébé, ne te sens pas offensé. Je t'ai entendu parler de Jenny. S'il te plaît, est-ce la même Jenny que mon ami aime? Oui. Bébé, ne te sens pas offensé. Je me demande bien, comment mon ami Calvin laisse une fille comme toi, pour une autre fille qu'on appelle Jenny. Ça veut dire que c'est Jenny, hein? Tu sais, quelquefois je me demande comment je me sentirais, tu vois, si je vois cette Jenny, tu vois, je l'embrasse et je lui fais un... J'ai chaud. Jenny. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Attends. Jenny, je te l'ai dit. C'est pourquoi je t'ai demandé de monter. Non, amène-moi chez moi. Pas ici. Allons dans ta chambre. D'accord. Sentez ma bouche. Allez, allons-y. Écoute, tu ne peux pas juste croire que je suis et croire que ça va aller. Allons-y. Linda. Ouais. J'étais en train de penser. Par rapport à quoi? Étant donné que nous avions déjà eu affaire avec ce vieux bailleur, pourquoi ne pas passer à la prochaine étape? Que Dieu te bénisse. Hein? Ah! Nos collègues se cherchent partout. Mais si. Il faut que nous cherchions les vrais hommes avec qui coucher. Je connais les hôtels. Nous pouvons aller là-bas et montrer nos atouts. Comment? Chérie. En hôtel où il y a la piscine, toutes les deux nous pouvons y aller, nager et aussi rencontrer quelqu'un. Mais je ne sais pas nager. Chérie, tu n'as pas besoin de savoir nager. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller là-bas, marcher en bikini, bouger ton propre temps et faire une rencontre. Chokuma. Oui, je t'écoute.
Qu'est-ce que tu racontes là? Écoute, je t'ai dit que cet argent, écoute, tu me dois 545 000 naira. Je ne vais pas soustraire le moindre kobo dans cet argent. Non, je suis un homme d'affaires et je constate que tu essaies de te foutre de mes affaires là. 400 000 dollars. Mon ami, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Écoute, si tu ne payes pas cet argent, je ne ferai plus des affaires avec toi. Hein? Oui, pas d'argent, pas d'affaires. Chukuma, pas d'argent, pas d'affaires. Et aussi longtemps que tu es concerné, tu ne peux pas t'amuser avec mes affaires. Écoute. Hein? Ok. Je comprends maintenant où tu vas en venir. Ok, tu vas aussi faire une contrepartie. Ok. Tu es un bushman. Écoute, je suis un homme d'affaires et je ne blague pas avec mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent intégralement, il n'y a pas d'affaires. Tu comprends, il n'y a pas d'affaires. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'affaires. Oui, je suis un niveau. Ok, peu importe. Au revoir. Connerie. Je m'en fous. Madame. Que fais-tu encore dans la voiture? Ça, c'est ma voiture, c'est pas la tienne. Ouvre la portière. Hein? Je dis ouvre la portière. Quelle portière? Hein? Hey! Ok. Tu ne viens pas? Non, non, j'essaie d'enlever la clé dans le contact. Hey, Tina. Salut. Oui, Marc, viens. Entre. Oui, entre. Je te présente mon amie, Tina. Nekenkwanya. Oh, désolé, ça veut dire comment vas-tu? Oh, bien, je t'en prie. Oh. C'est elle? Non, bien sûr que non. Si tu n'es vierge dans ce cas, moi je serai la femme du pape. Oh. Où est-ce qu'elle est? Dans la chambre. Entre. Viens, non, Marc. Ah ah, viens. Elle est toute à toi, la vierge que tu voulais. Mais apparemment elle dort là. Oh non, elle ne dort pas. Elle est un tout petit peu intoxiquée, peut-être un tout petit peu droguée. Droguée? Oui, mais pas assez droguée pour que toi tu ne puisses pas prendre ton plaisir. Je veux dire, regarde comme elle est allongée. Pense à toutes les choses que tu pourrais faire avec ça. Pense à toi, à l'intérieur d'elle. J'ai une question de... Quoi? Demande. Pourquoi Jenny? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Elle est complètement sans abri. Le fait que tu aies dansé nu devant un homme n'est pas une raison pour tout ceci. Oui, ça ne l'est pas. Mais la simple pensée de savoir que moi je suis bonne que pour une nuit de sexe et de plaisir, elle est considérée par un homme comme étant la femme de ses rêves. Particulièrement l'homme que moi je veux. Sina, l'homme que je veux. Ouais,
monsieur. Si tu sais que tu ressens ce groove ce soir, je veux t'entendre dire yeah, yeah. Ouais, yeah. Je veux t'entendre faire des bruits. Yeah. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok, mesdames et demoiselles et messieurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la seule, sexy, belle, splendide, célébrante pour venir couper son gâteau. Pendant qu'elle vient, j'aimerais que tu lèves ton verre et tu cries pour Calista la Comoncho. Fais du bruit. Allez, ma jolie, allez, viens là. Fais du bruit. J'aimerais couper le gâteau avec mon homme. Ok, bien. Avant qu'elle coupe son gâteau, j'aimerais recevoir son petit cœur, son chéri. Lui? Le seul mec qui fait qu'elle se sente chaude quand il fait froid. Wow! Le mec qui a rendu tout ceci possible. J'aimerais que vous m'aidiez pendant que j'accueille ici Enudidi Wego! Voyons. Vous ne l'avez pas vu depuis là? Non. Non, non, non. Il n'est pas venu. Non, non, non. Oui, je t'assure, c'est vraiment formidable. C'est super bien. Une MGP de 4,5 en fa, t'es sérieuse? Oui. C'est magique ça, c'est incroyable. Pour encore trouver quelqu'un qui reste devant ses cahiers comme... Tu comprends que c'est déjà très rare, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, ça, c'est, tu le mérites, ça, c'est vrai. Chinedu, qu'est-ce que tu fais là? Hey, bébé, j'avais un appel à recevoir et c'est tellement bruyant là-bas à l'intérieur. Je suis donc sortie pour prendre mon appel. Ensuite, j'ai croisé... Jenny. Oui, Jenny. Oui, Jenny, tu sais, elle est un papotin. Joyeux anniversaire, Calista. Je suis juste venue donner la clé à ma colocataire. Et apparemment, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vois. Oh, Jenny, oui. Ravi de t'avoir rencontré, vraiment, je suis très content. J'espère que tu seras vraiment majeur de ta promotion. Je l'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, mais je dois m'en aller maintenant. Au revoir, Calista. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Bye bye. D'accord, sois prudent. D'accord. Évêque majeur de sa promotion. C'est formidable, tu ne trouves pas?